Salut à tous, c'est Nyx. Aujourd'hui, vidéo calendrier de l'Avent de 2019. Donc cette année, c'est sur le thème de Kuribo. Donc on apprécie fortement. Donc première fois qu'on a ce type de produit en France. Donc c'est quand même vachement cool. Dedans, on va retrouver pas mal de nouvelles versions, enfin des vieilles rééditions des Kuribo. Et un nouveau Kuribo. On s'ouvre ça tout de suite. Allez, go! Le gros avantage des calendriers d'avance, c'est que quand vous en achetez un, vous avez forcément toutes les cartes de l'extension. C'est quand même très pratique. Donc, dans un premier temps, on retrouve Kuribo. Multiplicateur. Donc multiplicateur, vous sacrifiez un Kuribo face recto et vous invoquez des jetons autant que vous pouvez. Par contre, les jetons peuvent pas être sacrifiés pour une question de sacrifice. Un jeton Kuribo. Le Kuribo limpide. Donc lui, c'est pour contrer les effets de dommages. Par effet. Le Kuribo est de niveau 9. Sabatier la pierre philosophale, éclat du berserker, robot Kuribo, Kurivolt, Kuribo arc-en-ciel, lien Kuribo, sphère Kuribo, renom Kuribo, Kuriborn, transformine, un Kuri photon, Kuribon, donc là, un pour un. Un Kuri Bandit, la flûte d'invocation Kuribo, Kuribo ailé, très très belle réédition. Les ailes transcendantes, Kuribo ailé de niveau 10. Et le petit nouveau, le Kuribo Pot Artiste. Donc maintenant on a même un Kuribo Pot Artiste. Peut-être le seul Pot Artiste que j'aime bien. Donc. Alors, son effet nous dit quoi? Lorsqu'un monstre d'adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous faites transférer la cible de l'attaque sur cette carte et passer au calcul des dommages. Si vous allez recevoir des dommages de combat, vous gagnez des LP à la place. Donc, assez intéressante. J'aime beaucoup son artwork. Artwork qu'on retrouve sur calendrier. Donc, vraiment très très belle carte. Bon, ça faisait quelques temps que je cherchais à monter un deck Kuribo. Car c'est vraiment une carte que j'adore. Et grâce à toutes les rééditions qu'on a dans ce calendrier de l'Avent, c'est vraiment parfait. Donc, je suis actuellement en train de regarder pour trouver des différentes decklists pour pouvoir en faire une moi-même. Donc, en espérant que ça vous ait plu, si vous avez des decklists du deck Kuribo, je suis preneur. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dans pas longtemps, on va vous faire une petite surprise. Allez, à la prochaine.